Jésus. Laisse-moi la taper. Célébrer ce que notre frère
visé à la messe et pendant des messes. À un moment donné, il a dit, je crois, alors je crois à la résurrection de la chair. Il avait professé sa foi. À quoi pour dire, c'est la foi de notre frère qui nous réunit ici. C'est sa foi. C'est sa foi. Alors, c'est la thématique de la résurrection qui se laisse voir à travers le dialogue de Marthe et Marthe et Jésus. Marthe, à un moment donné, a dit à Jésus, Seigneur, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Et de Jésus sortira une phrase qui m'intéresse. Je suis la résurrection et la vie. Bienvenue de Shalom. Je suis la résurrection et la vie. Comme vous dites, tout pouvoir m'a été donné. En fait, c'est moi qui dirige tout. Et Marc continuera pour dire, je sais que tu es le Messie de Dieu, l'envoyé de Dieu sur la terre des humains. Et tout ce que tu demanderas à ton Père maintenant, il te l'accordera. Marc aussi a professé sa foi. Oui, saisissons cette belle bienvenue de Dieu, afin de professer notre foi. Afin de professer notre foi. Si Jésus n'agira pas à la manière de Lazare aujourd'hui, il a mille et une façons pour agir. Amen. Hein? Il a mille et une façons pour agir. Professons notre foi. Afin que Jésus jette un regard miséricordieux sur notre frère. Amen, bien de Dieu. Donc, prenez des conseils à celui qui va livrer un concert ou à celui qui va jouer un concert. Mais celui qui revient du concert, on ne le prenait pas du concert. Bien-aimé de Dieu, ça n'est fini pour notre frère. Il est passé de notre côté. Alors maintenant, cette séquence nous concerne. Bien-aimé de Dieu, j'aime dire à qui veut m'entendre, la mort nous vient à l'improviste. Mais la mort d'un chrétien ne peut pas être improvisée. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, la mort nous vient à l'improviste. Mais la mort d'un chrétien ne peut pas être improvisée. Nous devons être toujours prêts parce que nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Jésus se présentera. Il ne nous demandera pas, frère, sœur, le moment est venu. Non. Il se pointera directement. Et là, il nous fera voir notre tableau. En ce moment-là, qu'est-ce que tu diras à Jésus? Si tu te poses la question, est-ce que tu avais aimé ton nouveau? Qu'est-ce que tu diras à Jésus? Si tu te poses la question, est-ce que tu as aidé les gens, les orphelins sur la terre des humains? Qu'est-ce que tu diras à Jésus? Et tu diras à Jésus, Seigneur, regarde encore ta venue, alors que ça sera trop tard pour nous. Nous sommes censés, à travers cette circonstance, de révisiter notre vie. Que cette circonstance nous prêche plus que l'homélie de ces jours. Que cette circonstance nous pousse à nous approcher à Dieu, afin qu'un jour, nous puissions lui dire, nous sommes prêts d'entrer dans ta maison. Amen. Amen. À travers le monde. Que la grandeur dans ta charité
en union avec notre Père François, notre évêque Fridolin, ses auxiliaires, tous les évêques, le prêtre et les diacres. Souviens-toi de Stone Mubi Mangala, ton serviteur, qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde et de leurs femmes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos affaires, nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui est aux cieux. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.